podcast créatif du mois d'avril de Delstef. C'est moi, Delphine. Delstef, D-E-L-F-S-T-E-F. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Je parlais de mon deuxième podcast de 2021, mais autrement, ça va être mon cinquième podcast depuis que ma chaîne existe. J'avais tourné trois épisodes en 2017. Accès couture essentiellement. J'ai laissé en jachère la chaîne, c'est qu'à te dire. Et puis, j'ai recommencé à regarder à nouveau des podcasts tricot et couture. Et du coup, certaines podcasteuses, voire beaucoup, m'ont donné envie de. Je fais du bruit. M'ont donné envie de recommencer l'aventure quoi, du podcast. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Donc, sur ce deuxième podcast de 2021, parce que les autres, je ne les compte pas, mais ça m'embête de les supprimer, eh bien, je vais aborder du tricot dans un premier temps et ensuite de la couture. Je voulais faire ça la dernière fois, puis en fait, je l'ai laissé à une demi-heure pour mon premier, pour une petite reprise. Je me suis dit que ça allait bien. Ça va être suffisant et je commence de suite par ce que je porte sur les genoux, ce qui fait chaud et qu'il est très chaud, mon petit novice cardigan d'édition chunky de chez Petite Knit. Terminé, il est terminé, je l'ai terminé il y a 15 jours et je l'ai commencé au mois d'octobre. S'est-il passé pendant tout ce temps? Eh bien, j'ai commencé à fond sous la houlette. Ça a coupé. Donc, je disais que j'étais partie à fond les ballots sous la houlette de Presque Cliquot Fanny sur Instagram qui a lancé un petit challenge. Je couds mon premier pull. Je tricote mon premier pull. Du coup, hyper motivée dans le sens où moi, un tricot circulaire tricoté en rond, que ce soit un gilet ou un pull sans couture, je ne savais pas faire. Donc je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais de me lancer dans l'aventure. Je suis partie à fond et puis j'ai laissé tomber courant janvier. Enfin à fond, vous allez me dire. Bon, parce qu'il y a eu Noël en même temps, donc j'ai préparé les cadeaux et tout et tout et tout. Et c'est surtout que j'étais rendue au niveau des manches laissées en attente. J'ai commencé les manches, j'ai récupéré les mailles et j'ai vrillé mes mailles. Donc du coup, j'ai fait comme ça quelques centimètres et je me suis rendu compte que ma maille était vachement, enfin, était bizarre par rapport aux autres. Petite, beaucoup plus petite. Du coup, ça m'a refroidi et je l'ai laissé. Je l'ai laissé de côté. J'avais pas envie d'être de côté parce que je me sentais pas capable et c'est surtout que le Magic Loop, j'ai pas du tout aimé. Ça me gavait, mes fils s'en mêlaient. Enfin, c'est pareil, le Magic Loop, je découvrais donc j'ai pas aimé du tout. Donc voilà pourquoi je l'ai laissé un petit peu à l'abandon. Bon, je vais le reprendre après. En tout cas, je vous le passe pour vous montrer. Ça va pas super bien avec ma petite chemise kaki. Que voilà. Donc, c'est l'édition Chunky. Donc, c'est fait avec un fil mohair et un fil fingering. C'est une version toute moelleuse, toute douce. Voilà ce que ça donne. Portée. J'en suis hyper contente. Vraiment, vraiment, vraiment. Je regrette pas du tout. Donc, je l'ai. Où est-ce que j'ai mis ma laine? Ça y est, j'ai retrouvé. Ça va être. C'est freestyle avec moi. Je vous signale, c'est pas du tout structuré. Donc voilà, je l'ai tricoté avec de la Bergère de France, la Tweedina. Je vous l'avais montré lors du premier podcast. Et deux fils mohair, Kiltsik de chez Drops. Mohair et soie,
coloris 06 et 08, c'est deux bleus différents. Cette laine, je l'ai trouvée en éco-cyclerie, style un Emmaüs, 5 pelotes pour 3 euros et quelques, donc valable, valable. Et je n'ai pas manqué de laine parce que c'est la petite dernière, plus une demi-pelote. Donc j'ai eu suffisamment, j'avais un peu peur. Voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, c'est que je l'ai laissé tomber parce que je ne sais pas si vous allez voir, mais les manches, on les récupère à ce niveau. Et mes mailles ont vrillé quand j'ai récupéré. Quand je les ai récupérées de l'arrêt maille, je les ai vrillées. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Bref, ça m'a un peu gênée. Et puis, je vous dis, le Magic Loop, bof. Du coup, eh bien, j'ai fait en sorte de ne plus faire de Magic Loop en investissant dans un kit d'aiguilles de professionnel. Parce que je tricotais avec des aiguilles en bois. En fait, pas terrible du tout. J'ai investi dans un petit kit. IA. L'écharpe. Donc, oui. Je me suis fait un beau petit cadeau. J'ai pris les aiguilles 10. L'écharpe. Qui vont. J'ai pris le kit qui va de 5,5 en diamètre jusqu'à 10, je crois. Les plus grosses font 10, il me semble. Je sais plus. Ouais, c'est ça, 10. Donc, c'est vrai que ça représente un sacré coût à l'achat, mais finalement, je ne regrette pas du tout. Et de deux, je me suis fait un petit plaisir parce que j'ai arrêté de fumer au mois de novembre. Un petit paquet par jour. Donc, du coup, finalement, je crois que je pouvais me faire ce petit cadeau. Pour me féliciter de cette bonne action. C'est dur parfois, mais bon, le tricot m'aide du coup. Mais c'est vrai, en plus, ce que je vous dis, c'est que ça m'a beaucoup aidé le tricot à me concentrer, à capter mon attention, à penser à autre chose. Je referme la parenthèse. Donc voilà, pour le novice cardigan de chez Petite Nique que je recommande chaudement. Donc le fait de le tricoter via le challenge de Tresco Clicquot, Fanny qui nous donnait étape par étape toutes les indications, ça m'a beaucoup aidé aussi, il faut dire, parce que de se lancer là toute seule, puis sur YouTube, enfin j'ai beau chercher, j'ai beau essayer, je me débrouille en général par moi-même, je cherche beaucoup sur YouTube, c'est vrai que c'est une mine d'or. Mais là, tricoter, enfin, de récupérer des vidéos qui nous montrent comment tricoter du début jusqu'à la fin un tricot sans couture, un tricot circulaire, j'en ai pas trouvé, ou très peu, ou pas très bien filmé, donc du coup... Là, enfin vraiment, j'ai profité de ce challenge pour le faire. Et puis du coup, ben voilà, c'est parti. Hein. La folie du tricot, l'envie de tricoter depuis, je l'ai attrapé. Voilà. Je l'enlève parce qu'il est quand même très très chaud. Je l'ai pas encore bloqué du coup, parce que je le trouve assez moelleux. Je vais peut-être le faire et j'ai pas trouvé le bouton encore qui me plaisait. Donc volontairement, je le porte sans et ça ne me dérange pas du tout. Bon, forcément, hein, j'ai plein de petits défauts. Hein, vous avez peut-être dû le voir, vous tricoteuses expertes qui me regardez. Peut-être un petit peu normal pour une débutante, je vais essayer de m'améliorer pour les prochaines fois. Voilà pour le novice cardigan de chez Petite Knit. Donc
deuxième ouvrage terminé, ma petite paire de chaussettes du mois de mars, à tricoter dans le cadre du CAL Tricotons Ensemble, notre boîte de bas 2021 sur Ravelry. Alors je trouve ça hyper enrichissant comme, CAL. Dans le sens où c'est une petite communauté, enfin on s'inscrit qui veut. Hein. Et donc là, c'est super parce qu'on découvre des nouvelles personnes, forcément, des modèles existants sur lesquels on ne se serait peut-être pas arrêté parce que c'est une. Des modèles de chaussettes, il y en a une sacrée tripotée. Et puis les laines utilisées que je connais pas, je commence à découvrir. Et c'est intéressant d'avoir un petit peu le ressenti de chacune par rapport à ça. Ça donne des idées, ça nous inspire tout simplement. Et je pense que c'est un petit peu le but du jeu. Donc pour mes chaussettes du mois de mars, j'ai tricoté les petites biscuit socks de chez Isabelle, Fluffy. Fibers, je l'ai imprimé en noir et blanc, le PDF, donc vous n'allez pas très bien voir, vous rendre compte exactement du modèle. C'est un modèle super joli, alors ça par contre c'est un vrai coup de cœur quand j'ai commencé à faire ma petite bibliothèque de, comment on appelle ça, de modèles, j'ai tout de suite vu ces petites chaussettes, je les ai trouvées toutes mignonnes et je me suis dit, j'ai vraiment flashé dessus. Et je regrette pas du tout parce qu'elles sont vraiment top. Le patron est en anglais, tout en anglais. Ça c'est génial aussi, c'est une vraie découverte parce que je ne pensais pas un jour pouvoir tricoter et me débrouiller toute seule avec des explications en anglais. Franchement, en fait ça roule, c'est hyper clair en anglais, c'est concis, c'est. Ça va droit au but et puis ça nous fait ça nous fait reparler et penser un petit peu en anglais et je trouve que c'est une très bonne chose. Allez, sans plus attendre, les voici mes petites biscuit socks. Donc c'est un modèle qui se tricote, je vais en laisser une. C'est un modèle qui se tricote du haut jusqu'à la pointe. J'ai fait un montage élastique. Je me souviens toujours pas du terme exact, donc je ne préfère rien dire. Après, on enchaîne avec un petit point texturé. C'est une alternance de points jersey et de petits points mousse par-ci par-là, d'où les petites différences de relief, voilà tout simplement. Le talon, c'est un talon renforcé, œil de perdrix, ça c'est pareil, c'est la première fois que j'en fais un. Donc il est beaucoup plus épais forcément, il est bien renforcé. Après hein, le petit gousset là, tout petit, et puis on récupère les mailles, laissées en attente, et on continue vers la pointe tout doucement. Enfin après voilà. Et puis la pointe, c'est un montage en forme d'étoile. Donc voilà, complètement différent du premier modèle que j'avais fait, je partais aussi de la jambe pour faire la pointe, mais le talon était différent, la pointe aussi. Donc voilà, c'est bien parce que ça nous permet d'aborder plusieurs techniques différentes, enfin de découvrir plusieurs techniques. Et je trouve ça super pour ça les chaussettes. Et puis c'est vachement plaisant de faire une chaussette, hein, forcément, parce que c'est des petits projets, ça se monte quand même relativement vite. Tout dépend de la chaussette, effectivement. Voilà. Et je l'ai tricoté, cette chaussette, dans de la laine qui provient de chez Woolbags. C'est de la base Wool Nylon. Super wash. 75% mérinos, 25% nylon. Il y a 50 grammes pour 200 mètres. Il me reste
au total. J'avais pesé, mais je me souviens plus. Il me reste tout ça en fait. Donc c'est super économique. Du coup, j'avais deux séchevaux de 50 grammes et il me reste ça. Donc, je sais pas trop ce que je vais m'en faire, je sais pas. Je vais la garder pour une autre petite paire de chaussettes que je vais combiner avec une autre laine parce que du coup, j'aurai pas assez pour faire deux paires. Voilà pour les chaussettes du mois de mars. Je vous mettrai, j'essaierai de vous insérer si j'y arrive une petite photo des chaussettes portées. Voilà pour mes ouvrages terminés en tricot. Et je vais enchaîner maintenant avec mes projets en cours. J'en ai deux à vous montrer. On parlait de chaussettes tout à l'heure terminées. Là, je vais vous montrer celles que j'ai entamées pour le mois d'avril, pour ma petite boîte de bas 2021. La voici. Je l'ai commencée il y a une petite semaine. Ça donne pas grand-chose, c'est de la dentelle. Et comme la chaussette n'est pas bloquée, la dentelle est un peu rabougrie. Voilà, première fois que je fais de la dentelle. Des petits trous par-ci avec des petits jetés en veux-tu, en voilà. Faut surtout pas les oublier, autrement le trou ne se fait pas. Il faut être beaucoup plus concentré que celle-ci où c'était finalement très simple. Donc voilà, elle se monte beaucoup plus, enfin moins rapidement en tout cas. Alors le modèle que je suis en train de tricoter, c'est le modèle du livre que j'ai perdu. Il est où? Je vais retrouver le livre, ça y est. Toutes les techniques du tricot de chaussettes rassemblées dans un seul ouvrage. Bon, un livre que je ne présente plus, hein, qui a été revu et re-revu sur différents podcasts. Mais en tout cas, il est vrai qu'il est super bien fait ce livre parce qu'il rassemble vraiment toutes les techniques pour monter une paire de chaussettes. Voilà, tout est rassemblé dans un seul ouvrage, il n'y a pas besoin de chercher à droite et à gauche. Tout est en photo, c'est très bien expliqué. Il y a des sortes de tutos. Par contre, moi j'ai besoin de visualiser en leçon filmée. Donc je récupère le nom de la technique, par exemple le Jiggies Caston. Je regarde quand même comment c'est fait dans le livre, mais je regarde aussi en vidéo et c'est comme ça que j'apprends. Revenons à nos moutons concernant le modèle. Donc c'est Sandy Paillette, c'est de la dentelle. C'est un modèle qui commence par la pointe en toe-up. Le montage, c'est un montage magique de Judy's Magic Caston. Comme je vous disais tout à l'heure, nouveauté pour moi. Et là, j'en suis rendue à mon talon que je vais faire en rang raccourci avec à l'allemande. Attention, le German Chaud Rose. Tout un programme. Voilà, je vais découvrir ça tout à l'heure parce que je vais m'y mettre là ce soir. Voilà pour le modèle de. Ah ben sinon, je vous ai pas parlé de la laine. Je vous ai pas parlé de la laine. Il s'agit de la Fildar. Laine Fildar, la Fil Sox Uni. Alors autant vous dire que. À côté de ça, rien à voir. Elle n'est pas du tout douce, mais alors pas du tout. J'ai acheté cette laine dans un magasin sur Nantes en 3 minutes. Enfin, j'exagère, mais en le magasin fermé, j'avais 5 minutes. J'ai pris ça à l'arrache et je ne me suis même pas aperçue de la composition. J'ai vu polyamide, c'est tout. Je lui dis chouette, allez hop, polyamide sox. Je lui dis c'est de la laine pour la chaussette. On y va, on achète. J'en ai pris une grise, une blanche. En fait, c'est que de la laine vierge. Donc, laine vierge est peignée, super wash. Donc, elle n'est pas douce. Elle n'est pas douce du tout. Elle n'est pas très agréable à tricoter, en tout cas. Et j'espère fortement que cette laine, elle va un petit peu s'adoucir quand je vais les bloquer. J'y crois pas trop pour autant. Mais bon, voilà. Ben, du coup, j'ai testé. Testé pour vous la fil sox.
Bon, je vais quand même la terminer, la pelote. Hein. J'en ai une blanche, je vais faire. Quoi que, je sais pas. Je vais vous rapporter ce que ça donne. Mais je suis vraiment pas convaincue du tout. Mes petites chaussettes, je les tricote avec des petites aiguilles circulaires Chiagou, 23 cm. C'est des toutes petites aiguilles. J'ai commencé par des petites aiguilles de chez Adiz. Celles-ci. J'ai pas trop aimé parce que elles font 25. Mine de rien, 2 cm de différence, et ben on est obligé de faire du magic loop avec ça. Et avec ça, quand on commence par, j'entends bien, quand on commence par la jambe, on n'est pas obligé de faire de magic loop. En l'occurrence, là, pour un montage commençant par la pointe avec le Judy's Caston, et ben j'étais obligée de faire du magic loop. Alors moi qui n'aime pas ça, bonjour, j'étais servie. J'étais obligée d'acheter une autre paire d'aiguilles. J'ai pris celle-ci, la Katia, aiguille en bois, 80 cm en 2,5. Toutes mes tailles d'aiguilles pour faire des chaussettes, c'est du 2,5. Hein. J'ai pas d'autres diamètres, mais c'est très bien comme ça. Je m'en sors bien pour l'instant avec cette taille d'aiguille. Pour revenir à cette paire d'aiguilles circulaires, je la trouve pas trop mal. C'est pas si désagréable finalement sur des petites dimensions de tricot. J'ai bien aimé. Et puis après, j'ai donc commencé ma pointe. J'ai terminé. Je me suis arrêtée quand j'ai terminé ma pointe. J'ai enchaîné avec ma petite paire de Chiago pour ne plus faire de magic loop. Voilà pour ma petite paire de chaussettes du mois d'avril que je vais terminer. J'espère d'ici 10 jours, j'aimerais bien pour pouvoir les porter. Non, normalement on n'a pas le droit de porter puisque c'est une boîte de bas qu'on doit s'offrir à la fin de l'année. Mais moi je vais pas faire ça. Je crois pas. Je les porte, du coup. La mauvaise élève. Projet en cours. Un gilet. Donc moi je vais être monoprojet. Hein. Un gros projet et un petit projet. Je ne peux pas faire plus. Parce que je ne tricote que le soir et je tricote encore très lentement et puis j'ai pas envie de faire traîner mes tricots en longueur, donc du coup pourtant j'ai plein d'envie, mais il faut qu'il y ait une petite organisation, il faut que ce soit structuré, autrement je peux très vite partir en live. Donc projet que j'ai commencé le 24 mars à monter, il s'agit du gilet Florian, un modèle de une poule à petits pas Aurélie Texier. C'est un cardigan avec, je sais pas si vous voyez très bien parce que le jour commence un petit peu à tomber, c'est un modèle avec deux panneaux de dentelle après les pattes de boutonnage, en fait, situées tout près des pattes de boutonnage. Voilà. Donc, en avant la dentelle, à nouveau, avec des jetés, etc., etc., etc. Pour un deuxième projet, je crois que je me suis embarquée dans un truc un peu foufou, mais bon, je m'en sors pas trop mal. Je m'en sors pas trop mal. Pourquoi je m'en sors pas trop mal? Parce qu'on le fait encore à plusieurs, ce projet. Je le fais avec trois autres copines, Laetitia, la chef, la coach, Karine et Elodie. Voilà, on est toutes les trois dans le tricot et c'est un défi qu'on s'est lancé sous la houlette de Laetitia. Parce que Laetitia est déjà beaucoup plus experte que nous et puis elle a déjà fait ce gilet. Et elle nous s'est proposé de nous
coacher. Donc, on a accepté avec joie, forcément. Donc, on a commencé, ça fait 15 jours. Nous sommes allés toutes les trois chez Laetitia et on s'est fait une journée tricot. On a commencé le gilet chez elle avec un bon petit repas entre nos séances de tricot. C'était assez sympa. Donc, je vous montre où j'en suis rendue parce que j'ai pas mal avancé quand même en 15 jours, je trouve. Mon petit panier projet. Le voici, le voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Comme ça, je trouve que ça fait un peu serpillière. Hein. Je suis pas sympa avec moi. Voilà. Il aurait peut-être fallu que je le mette sur un... Ouais, je vais le mettre sur un cintre. On verra peut-être mieux, il aura peut-être plus. J'en suis rendue à ce stade, c'est-à-dire que j'ai séparé le corps des manches. Et il me reste 27,5 cm de tricot envers endroit, endroit envers. Et l'envers, je déteste. Voilà, ça va être très long. Mis à part, effectivement, ce petit jeu de dentelle qu'on fait en début et fin de rang, à l'endroit et à l'envers, voilà, ça casse un peu le rythme, mais c'est tout, quoi. Là, ça, je pense que ça va être très très long, très très long à mon avis. Donc, voilà, c'est pas parfait du tout. Ça commence à être parfait à cette hauteur-là, parce qu'au tout début, forcément, c'est un peu chaotique. Hein. Il y a des trous, des gros trous. C'est pas... c'est moche, mais je savais pas comment récupérer mes erreurs. Voilà, comme c'était un jeu de mailles tricotées ensemble, de jetées, de mailles torse, de mailles torse en droit, de mailles torse envers. De points en droit, de points en vert, enfin voilà, il faut suivre un patron, hein. Enfin, un diagramme, et il faut être hyper concentré, ça c'est certain. Donc quand c'est la première fois qu'on fait, voilà, ça ce sont les diagrammes, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Mais ça y est, j'arrive enfin à le mémoriser et à être beaucoup plus attentive, on va dire, enfin moins stressée. Je pense qu'au début j'étais trop stressée, je savais pas trop ce que je faisais comme point, je comprenais pas pourquoi je faisais ce point là, qu'est-ce que ça donnait, parce qu'en fait le diagramme se dessine au fur et à mesure qu'on avance. Au tout début ça donne rien, et je comprenais pas, donc voilà, plus j'avance et mieux c'est, et mieux je suis à l'aise, et je suis beaucoup plus à l'aise effectivement. Donc la dentelle, bon, du coup je le retire, la dentelle est beaucoup plus, elle se dessine, elle est plus jolie. J'arrive à bien faire mes points. Voilà, donc première fois pour tout, hein, sur ce tricot, première fois pour les rangs raccourcis. Je sais pourquoi on fait des rangs raccourcis. Avant, je comprenais pas. Première fois que je fais du raglan, première fois que je fais une tresse sur un raglan. Ça c'est pareil, j'ai attrapé une grosse suée samedi dernier quand je l'ai fait avec Laetitia et les filles. Mais c'est pourtant très très simple, mais on s'en fait tout un monde parce qu'en fait il faut détricoter, il faut lâcher les deux mailles du raglan et puis chut, détricoter tout ce qu'on a fait. Et après on prend un petit crochet et on remonte les deux fils pour faire cette jolie tresse. Formidable, j'ai trouvé ça cool et c'est pas si compliqué finalement. J'apprends plein de trucs. J'apprends plein de trucs et je trouve ça passionnant en même temps. Voilà. Donc, oui. Bon, là, ça va encore. Hein. J'ai laissé... j'ai pas mis d'arrête-maille parce que j'ai pas envie de faire la même erreur que la fois dernière sur mon gilet novice cardigan. Donc, du coup, là, j'ai passé mon câble 40 cm. Petit câble IAIA. Et j'ai laissé mes aiguilles. Des aiguilles, j'ai pas d'arrête maille, donc c'est système D. Là j'ai mis mon petit cœur à 10 pour pas que les mailles s'échappent, et de l'autre côté c'est
c'est merdique. C'est un blog mousse que j'ai passé les embouts et j'ai stoppé avec un fil. Système D, c'est moche. Tant pis, c'est pas grave. J'arrive pas. Enfin, toutes les stoppeurs là. Les stoppeurs sont sans cesse en rupture de stock sur le site Lénétrico et je les loupe à chaque fois. Enfin, bon, bref. Du coup, je fais comme ça. C'est pas très grave. Là, j'ai un gros trou. Je le vois. C'est chier et je l'ai pas vu. Et zut. Bon, tant pis. Mais je m'améliore quand même, je trouve, sur mon point jersey. Quoi vous dire d'autre sur ce modèle qui va être long à tricoter? La laine dans laquelle je le tricote, ma foi, ce serait important que ce serait bien que je vous en parle. Il s'agit de la laine de la droguerie, l'alpaga et plumette mélangée. Voilà. Le coloris de l'alpaga, c'est matin d'automne. Et le coloris de la plumette, rivière tranquille. Au total, je crois que j'ai pris 350 grammes, il me semble. Donc, pas donné la laine, la droguerie, hein, 75 euros. J'ai la facture, je crois. 350 grammes. Oui. 71,95. Première fois que je mets aussi cher dans de la laine. En même temps, c'était un projet à 4. On est toutes parties sur de la alpaga plumette de chez la droguerie. Moi, j'ai pris ce vert que je trouve très joli. Au départ, je voulais un lilas, mais c'était en rupture de stock. Donc, je me suis rabattue sur ce vert d'eau. Karine le fait en rose poudré, Elodie en beige et Laetitia en camel. Donc ça va être rigolo là quand on va avoir tout fini notre Florian, toutes les quatre. On va essayer de se prendre en photo. Ça va être sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, c'est tout finalement. Donc à suivre, hein, forcément. Tout doucement, mais sûrement. Mais là, ça va être long. Je le sens. Je le sens. Comme je vous disais, les rangs en vert. Autant je suis rapide, je trouve, sur le rang en droit. Mais le rang en vert, je suis assez lente encore. Et je ne tricote pas méthode continentale. J'y arrive pas. J'essaie pourtant de temps en temps, mais ça prend pas du tout au niveau de la tension du fil. J'ai vraiment un gros souci. Donc je préfère continuer comme ça pour l'instant. Voilà les filles pour la partie tricot. Et projet en cours. Maintenant, toujours partie tricot, mais achat, et il n'y en a pas beaucoup. Il y a cette petite laine que j'ai chinée il y a 15 jours dans ma petite ressourcerie de la cristalline de Georges Picot. Petit modèle de laine, marque de laine que je ne connais pas du tout. Hein, je pense que c'est un petit modèle vintage, mais je ne sais pas si vous voyez, elle est rose et elle a des petites paillettes. Elle est très légèrement pailletée. Ouais. Et la compo de cette laine, c'est en orlon, je ne connais pas, entre parenthèses de l'acrylique et polyamide. Aiguille conseillée numéro 3. Repassage à la pâte mouille. Marque déposée par Dupont pour sa fibre acrylique. Je ne connais pas du tout. Mais voilà. Donc, j'ai tout ça. Je trouve que le coloris rose, c'est rose bonbon, mais il faudrait que je trouve un fil mohair un peu plus soft, enfin un peu plus pastel. Et combiné avec ce fil, ça peut adoucir un peu la couleur. C'est ce que je ferai très certainement si je me décide à faire un projet. J'ai tout ça, j'ai une dizaine de pelotes et j'en ai pour 4 euros. Donc, cool, je suis hyper contente. Hein, moi qui suis, comme je vous disais lors de mon podcast, sur mon podcast du mois de mars, que je chinais beaucoup et que j'arrivais toujours un petit peu à trouver de la laine ou du tissu.
beaucoup seconde main. Voilà pour les achats laine. Second achat, cette laine là, mais que j'ai acheté en janvier 2020 en solde chez la marque, c'est de la Casey Art. C'est la My Name is Odette. Je vous donne la compo. Je vous donne la compo. Le coloris, c'est blanc naturel. J'arrive pas à voir la compo. Il me semble que c'est du 100% alpaga. Je trouve pas. C'est pas vrai. Bah zut, c'est pas marqué. Si, 100% baby alpaga. N'importe quoi. Elle est super douce. Oh, j'adore. C'est un gros fil. Un gros fil tressé, je crois. Je ne connais pas trop, mais voilà, je vous laisse voir. Oh, hyper douce. C'est voilà. Donc, j'avais acheté 4 pelotes. 200 grammes. 240 mètres de fil. L'année dernière, la pelote est à 14,90 €. J'avais acheté à moins 50% la pelote, ce qui me fait 7 euros et quelques, donc valable, hyper valable. Et je vais, alors donc ça c'était un achat de janvier 2020, et du coup, je vais la marier avec du mohair de la marque Sandness Garn, et c'est de le fil Teen Silk Mohair. Voilà, je me suis dit que cette laine était quand même très qualitative. Et que je voulais un petit effet quand même à duvet. J'aime bien. Donc du coup, j'ai investi dans cette pelote qui n'est pas trop chère, ma foi, pour un silk mohair. Je pense que c'est 10 euros à peine la pelote. Enfin bon, bref, que vais-je faire avec? Et bien là, c'est la partie projet. Projet, une fois que mes tricots, mon gilet flottant sera terminé, je pense que je vais me diriger vers le pull d'Aurélie, d'Aurélie Texier, une poule à petits pas, le pull Louis. Je vais vous montrer, je vais vous insérer la photo. Que j'ai vu sur le dernier podcast de Pauline Maglia Torta. Je pense que je prononce pas bien du tout son nom. Excuse-moi Pauline si tu passes par là. En tout cas, c'est le pull Louis qu'elle a tricoté. Et j'ai craqué sur sa version. Vraiment, j'ai aimé. Le pull Louis, c'est un pull loose. Les emmanchures sont chauve-souris et surtout le tricot, il y a des petits points déjetés, des petits trous un petit peu partout. J'aime beaucoup, donc du coup je me suis payé ce petit PDF. Et le deuxième, un modèle de Elong avec Anna, c'est le pull RL, rien à voir. Parce qu'il est plutôt fit ce modèle. Somme toute classique. Un pull tout à fait classique. Sauf qu'il a une jolie envolée de points sur le devant du tricot qui part du bas et qui remonte tout doucement. Elle a dispersé au fur et à mesure les points et je le trouve super joli. Et puis j'ai envie de tricoter un de ces modèles. Longue avec Anna. Donc pourquoi pas. Je n'ai pas acheté encore le modèle, mais du coup je sais pas, entre les deux mon cœur balance, je n'en sais rien. En tout cas j'ai voulu quand même tricoter cette petite association Glen et j'ai fait l'échantillon pour le pull Louis et je suis dans les clous au niveau de l'échantillon. Je tombe pareil qu'elle, donc cool. Je crois que c'est un pull qui se tricote en aiguille 5, il me semble. Je ne sais plus trop. Donc voilà.
à suivre. Je ne sais pas encore. Enfin, de toute manière, ce pull, je le commencerai une fois que mon gilet Florian sera terminé. C'est certain. Voilà, la partie tricot se termine ici. Je vais enchaîner sur la couture. Donc, pour celles qui ne veulent pas regarder la partie couture, je vous dis à bientôt, j'espère. Malgré ce podcast, cette partie tricot un peu décousue, un peu hésitante, un peu à la one again. Mais voilà, c'est nature. Pas de chichi, pas de chacha. J'espère vous revoir très bientôt. Couture, on y va. J'ai parlé pendant 45 minutes de tricot. J'espère que la partie couture sera un petit peu moins longue. Moi qui voulais faire un petit format de podcast, là je suis mal, c'est mal engagé. Allez, ne perdons pas de temps. La couture, je voulais juste vous dire que vous n'allez pas voir ici, enfin sur ce podcast on va dire, des coutures récentes, dans le sens où je vais vous sortir des vieux nanars. Ouais. Je rigole toute seule quand je dis vieux nanars. Je m'explique. Je suis tombée nez à nez en faisant du rangement il y a 15 jours, 3 semaines sur des cousettes qui datent de quelques mois, voire de quelques années pour certaines. Ouais. Des cousettes avec simplement que des petits trucs à faire, style des boutons à coudre ou des ourlets à terminer. Le plus gros est fait. Le plus gros était fait, mais alors voilà, j'ai un sérieux problème, je crois, avec ces ourlets. Je n'aime pas. Je n'aime pas faire les ourlets, donc du coup, je laisse. Bon, c'est pas une généralité, hein, mais... J'ai quand même pu constater qu'il y en avait quand même un petit paquet de concernés. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai tout mis sur des cintres. J'ai descendu mes cousettes, mes pauvres petites cousettes, et je les ai mis sur ma petite échelle en bambou pour voir un petit peu l'étendue des dégâts, et j'ai procédé par ordre. Donc là j'en ai fait 5, j'en ai terminé 5. Je me dis qu'en les voyant tous les jours, j'allais en avoir marre, donc que j'allais me pencher sur leur cas. Et bien j'ai réussi, c'est bien engagé. J'ai une dizaine de cousettes là concernées, j'en ai fait 5 déjà. Donc sans plus attendre, je vous les présente. La toute première, le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas pour moi, c'est un petit truc que j'avais fait pour ma maman l'année dernière pour la fête des mères. La honte, vraiment la honte. Je lui ai quand même offert le jour de la fête des mères, mais avec l'ourlet du bas pas terminé. Donc du coup, le jour même, je lui ai dit, et c'est là, elle te va parfaitement bien, sauf que l'ourlet il est pas fait, donc je le ramène à la maison. Je l'ai ramené à la maison et je n'ai pas fait l'ourlet. Voilà, donc elle va être contente de l'avoir. Ma maman, là, la semaine prochaine, je vais aller lui déposer, elle va être ravie. Donc, cette petite blouse en Vichy Serrucœur, je crois qu'on dit ça comme ça, je ne sais plus. C'est un coupon que j'avais depuis un certain moment qui traînait dans mon armoire à tissu. Le Vichy, ça reste un intemporel niveau motif. Et il s'agit de la petite blouse, je vais vous montrer le dessin technique, Alette de Anne Kerdiles. Voilà. Donc, qui se décline soit en robe, soit en blouse. C'est un petit patron qui n'est pas, qu'on voit pas beaucoup sur Instagram, enfin sur les réseaux sociaux, et pourtant je trouve que c'est bien dommage parce qu'elle est super agréable à coudre. C'est très bien expliqué. Anne Kerdiles explique très bien, et c'est un modèle je trouve très sympa à coudre. Voilà. Donc, un col V avec une parementure, des manches évasées, et puis le dos séparé en deux avec une fronce, enfin avec le bas froncé.
J'aime beaucoup. Alors, la parementure, normalement, une parementure, hein, c'est fait pour ne pas faire de couture tout autour du col. Moi, la parementure, ça tient jamais. Donc, j'ai rajouté une petite couture. J'aime pas, enfin, en général, j'aime bien les parementures pour éviter justement cette couture apparente. Mais comme je vous disais, ça tient jamais chez moi. Donc du coup, je fais une couture. Je vais vous la passer là pour vous la montrer. Bon, c'est une taille 44, hein, donc ça va être un peu grand pour moi. Mais ça peut... Enfin, ça... Moi, j'aime bien loose en même temps, porter loose. Donc moi, ça ne me dérange absolument pas. Mais bon, elle est un peu quand même tombante sur mes épaules. Voilà, je la passe. Donc voilà, j'espère que je vais avoir suffisamment de recul pour que vous puissiez bien voir. Je pense que c'est pas trop mal. Donc comme je vous disais, hein, c'est pas ma taille, c'est du 44, mais porter loose, c'est bon aussi. J'aime assez. Donc le dos, comme je vous le disais, la fronce qui est au milieu, qui fait un effet évasé. Pour ce genre de modèle, je pense qu'il faut vraiment un tissu assez fluide, une viscose ou un tissu, un coton qui soit très très fluide pour que puisse que le tissu le tomber. Soit bien fluide. Voilà, les manches qui s'arrêtent au niveau au milieu du bras, au niveau du coude. J'aurais pu les faire un petit peu plus longues. Je les ai volontairement ratiboisées à ce niveau-là. Et puis le col V. Bon, ben voilà quoi, il n'y a rien de petite blouse. Peut se marier avec tout au niveau du bas, un pantalon blanc, du noir, un jean, enfin bon, bref. Voilà pour la petite blouse halette de Anne Kerdiles qui va aller rejoindre le dressing de ma maman enfin un an après, bientôt. La deuxième cousette que je vais vous montrer, il s'agit d'une autre petite blouse. Pareil, alors ça, je pense qu'elle a bien 2 ans, celle-ci, hein, à mon avis. Elle était, je l'ai quand même un peu modifiée parce que la basque était beaucoup plus longue et je l'ai remontée au moins de 5 cm parce qu'elle me tombait, enfin, la basque me tombait en dessous des hanches et ça faisait tout assez, je n'aimais pas du tout. Donc là, j'ai fini, il me manquait, donc j'ai fait ces modifs. Donc il y avait quand même un peu plus de travail. J'ai fait l'ourlet des manches qui n'était pas fait et j'ai rajouté les boutons. C'est une fausse batte de boutonnage, hein. J'ai simplement cousu les boutons parce qu'on peut l'enfiler très facilement. Le modèle de base que j'ai donc modifié du coup, c'est la M comme miroir de M comme Marie. Moi, ça, mon patron, il est hyper connu, il a été décliné bon nombre de fois en robe, en top, avec basque, sans basque, enfin bon, bref. Assez connu. Un bon basique. Donc, pour pouvoir le hacker très facilement. Le tissu, c'est une sorte de dentelle qui brille très légèrement. Il y a des petits fils d'argent, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Des petits fils argent lurex mais qui ne piquent pas du tout. Le coloris de cette dentelle, c'est elle est blanc cassé. J'aime beaucoup, c'est une dentelle qui provient de la petite boîte à coupons d'il y a quelques années, hein. Forcément, elle n'est plus du tout disponible, cette dentelle, elle est complètement épuisée. Les boutons, ce sont des boutons achetés chez Mondial Tissu, il me semble. Ouais, Mondial Tissu. Bon, là, je suis un peu déçue. Je l'ai lavé, mais pour faire les pinces, j'ai tracé à l'endroit avec un crayon craie orange. Et au lavage, ça ne part pas. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, ça fait déjà 2 fois que je la lave et ça part pas. Ça s'atténue même pas. Du coup, je ne sais pas trop comment je vais faire pour retirer ce crayonné orange, là, orange. Bon, tout comme l'autre blouse, je vais la passer.
La voilà portée, la M comme miroir, de chez M comme Marie. Voilà, je l'ai un peu relevée parce qu'elle tombait vraiment trop bas et ça faisait vraiment effet parachute, effet péplum. J'aime pas du tout le calme. Les températures ne sont pas trop chaudes pour pouvoir porter ce genre de petits hauts. Le col V n'est pas trop profond, enfin juste bien. Il suffit peut-être même de mettre un petit débardeur quand même. Quand on se penche, on voit un petit peu, mais voilà, je trouve, je suis contente de l'avoir terminée finalement cette petite blouse, j'aime beaucoup. Le troisième modèle que, enfin, la troisième cousette que j'ai terminée, c'est un sweat. Bon, celui-ci n'est pas si vieux, je l'ai commencé au mois de novembre, ce sweat. Le voici avec une petite un petit message brodé hein, bref, on n'en rajoute pas, on a toutes et tous compris le message. Je pourrais même rajouter 2021 à côté, je pense. Bref, c'est un sweat artisane. Un modèle artisan, c'est celui-ci. Enfin, ça, c'est le dessin. C'est pas vraiment un dessin technique. Je vous explique rapidement. C'est mon sweat. C'est un patron déboutant de Charlotte Jobert. Et c'était, je me souviens, il y avait eu 4 masterclass sur YouTube pour le faire, ce sweat. On a commencé, enfin, là, commencé Charlotte Joubert à nous expliquer comment on pouvait travailler et agrémenter ce sweat par des volants, par une broderie, etc. etc. Il nous expliquait le principe, hein, comment faire par exemple des volants aux manches, comment on pouvait calculer le volume du volant qu'on voulait donner aux manches. Alors moi, je choisis de le faire ici aux emmanchures, il y en a d'autres qui ont choisi d'en rajouter un sur le devant. Enfin bon, bref, il y avait quand même vachement de possibilités. Et elle explique hyper bien, Charlotte Jobert, là. Moi, j'ai appris plein de trucs en regardant la masterclass. Donc, hyper contente d'avoir créé ce petit volant qui, mine de rien, ça n'a pas l'air d'être grand-chose, hein, mais finalement, de créer un petit volant comme ça, c'est tout un tas de calculs. Hein. Je ne pensais pas du tout. Oh, d'ailleurs, j'ai même pas coupé le fil sur le côté. Bon, bref, c'est pas grave. Et puis il y avait aussi, c'était, enfin, ce petit défi de, pour celles qui voulaient aussi, c'était de faire une petite broderie sur le sweat. Donc moi, j'ai décidé de broder. Enfin, c'est plus de l'écriture. Hein. Je suis pas très douée en broderie. Enfin, j'aime pourtant tout ce qui touche le fil, l'art du fil, mais la broderie, bof. Je suis pas spécialement à l'aise, mais je me suis pas trop mal débrouillée quand même. Ça m'a mis, j'ai mis une demi-journée à faire cette broderie, je crois. C'est tellement minutieux comme travail que ouais, j'ai mis un certain temps. Donc ce sweat, je l'ai terminé la semaine dernière. Pareil, il restait juste les petits mancherons là, les petits, je sais plus comment on appelle ça, les petits poignets, n'importe quoi, les petits poignets à rajouter. Voilà, ces deux petits là, c'est tout ce qui reste à faire. Et je vous le donne en mille, l'ourlet forcément. Et je me suis bien appliquée pour l'ourlet, j'ai fait à la double aiguille. J'utilise pas souvent, du coup je suis pas trop mal débrouillée. Le molleton, c'est un molleton qui provient de la petite boîte à coupons aussi, fournisseur officiel. Hyper agréable, il est blanc cassé. Très agréable à coudre, à couper. Bon, je vais vous le passer pareil pour que vous puissiez voir un petit peu la cousette portée. Voilà. Le sweat artisan porté. Contente. C'est maintenant qu'il faut que je le porte là, ce sweat.
Donc les petits volants aux emmanchures, le sweat est assez des épaules tombantes, donc du coup on peut très bien facilement rajouter ce petit détail tout mignon. Il est une bonne base hein, ce sweat, j'aime beaucoup. La encolure est juste bien, elle ne serre pas trop, elle n'est pas trop évasée. J'aime pas trop des fois quand c'est une encolure trop lâche, j'aime beaucoup. Et je l'ai fait en taille M, je crois. Oui, il me semble que c'est du M que j'ai coupé. Voilà mon sweat de Charlotte Joubert pour artisane. C'était un patron gratuit. Maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas s'il est encore disponible gratuitement ce patron. La dernière, non, l'avant-dernière, je prends quoi? Bon, oui. Je prends une petite robe. Une petite robe noire. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est la robe In the Sun de Dress Your Body. Elle existe en version blouse et j'ai choisi de la faire en version robe. Donc c'est une robe qui n'a pas de manches, qui a des coupes pour. Je vous montre ce que j'ai fait, parce que j'ai rajouté un petit truc. Qui a des découpes, je ne sais pas si vous allez bien voir. Normalement ici c'est une découpe et on rajoute ce petit volant. Vous voyez? On rajoute. Moi, ce que j'ai fait, je ne sais pas si vous allez bien voir, je m'en rends pas bien compte. Moi, j'ai rajouté un petit jour échelle sur le devant et sur le derrière. Je trouvais que ça faisait un petit détail, un petit plus à la robe que je trouve assez classe et toute mignonne. Tu peux très bien se porter là, comme ça avec une petite paire de baskets ou avec des escarpins pour aller bosser, pour sortir. Je la trouve multifonction cette petite robe. Sa petite encolure col V, elle est toute mignonne aussi. Assez originale, j'aime bien. Enfin, j'aime tout sur cette robe finalement. Elle est très très sympa. Les finitions de l'emmanchure se fait avec un petit biais. Une ligne de fronce dans le dos, tout comme sur le devant. Voilà, alors qu'est-ce qui me manquait là? Pourquoi j'ai laissé traîner depuis? Je l'ai commencé cette robe confinement l'année dernière, au mois de mars, avril, mai peut-être. Et depuis, voilà, j'ai fait le plus gros du travail. Hein. En plus de ça, ce petit jour échelle, j'ai un peu galéré quand même. Hein. Voire beaucoup. Elle m'a demandé beaucoup de boulot et du coup, ben voilà, qu'est-ce qu'il me restait à faire? C'est cool. Enfin, c'est n'importe quoi. Il faut que j'arrête avec ce genre de négligence. Bon, alors le noir, je viens de me rendre compte que ça prenait toutes les peluches. Hein. En fait, là, la caméra, vous allez dire, t'avais dégueulasse sa robe, il y avait tout plein de peluches. C'est vrai en même temps. Il y a des petites peluches blanches là, c'est assez pénible, mais c'est pas autant qu'à la caméra quand même. Le tissu, je vous en ai pas parlé, c'est un tissu à crêpes de la petite boîte à coupons encore. Mon fournisseur officiel, je vous dirai pourquoi un jour peut-être. Enfin bon, bref, là aujourd'hui je ne dis rien. J'ai fait un petit volant sur le volant, j'ai fait un petit rouloté avec la surjeteuse. J'avais pas envie de faire d'ourlet. Le petit rouloté, c'est juste nickel là pour les finitions aussi. Ouais, et donc ce crêpe là, c'est un tissu de qualité puisqu'il provient d'une fin de stock d'un créateur, d'un couturier même assez connu.
très connue. CED, ce sont les initiales de la marque. Je ne citerai pas le nom de cette marque, vous avez peut-être deviné. Voilà, allez, je la passe. Et un petit coup de pour enlever tous les mimis. C'est vrai que c'était un peu mieux, j'aurais dû le faire pour vous la présenter de plus près. Et voilà ce que ça donne. Je la trouve très très mignonne, cette petite robe. J'ai hâte de la porter là quand il va commencer à faire des petites températures un peu plus chaudes. Voilà, je la porte avec une petite paire de... Hop, je ne sais pas si vous allez voir. Pas que je me casse la figure, mais voilà, avec une petite paire de Converse là. Ça fait tout mignon aussi. Et forcément avec une petite paire d'escarpins, ça fait beaucoup plus classe. Of course, donc la petite encolure là, j'aime bien. La robe In the Sun de Dress Your Body. J'aime beaucoup ce que fait Christine, la créatrice de cette marque. Elle a vraiment des patrons qui sont très exploitables, dans le sens où on peut partir d'un de ses patrons et le décliner à foison. Là, cette robe, on peut facilement rajouter, pourquoi pas, des manches pour une robe d'hiver. C'est tout à fait faisable. Voilà. Et puis la dernière cousette. je rigole. La cousette improbable, on va dire. Tadam. Ah, alors là, on aime ou on n'aime pas. Hein. J'avoue, le tissu est un peu spessouille, dans le sens où c'est un jean brodé. Où est-ce que je l'ai trouvé ce tissu? Je m'en souviens plus du tout. Si, je crois que j'ai dû l'acheter sur un marché Talensac sur Nantes, mais alors il y a, je sais pas, il y a au moins 3-4 ans. Cette blouse, sans mentir, je crois que j'ai dû la commencer en 2017. Vous voyez? Non, mais la honte. Vraiment, j'ai honte. Et qu'est-ce qui n'allait pas? J'ai fait le plus gros. Hein. Le plus gros, bah, c'était l'oreille. Elle est restée autant de temps dans le panier des encours sans que je la porte parce que l'ourlet n'était pas fait. Alors, cette blouse, je ne retrouve forcément plus le modèle. C'est la blouse bohème, c'est issue d'un magazine de couture, lequel, je ne sais plus, je crois que c'était un fait main de 2015 ou 2016 facilement, il me semble, de mémoire. Mais je ne retrouve plus le magazine, je ne sais plus ce que j'en ai fait du coup. Et je la trouve super mignonne, cette petite blouse. Ces manches-là, que j'adore, très. Les manches papillons. Oversize. La petite patte de boutonnage dans le dos, tout le long. Une basque froncée. Le devant. La basque est beaucoup plus haute, elle arrive en dessous de la poitrine. Je vais la passer tout à l'heure, vous verrez. Et puis ces manches, vraiment ces manches, j'adore. Des manches papillon, comme on appelle. Voilà. La petite blouse bohème. Et puis ce tissu que j'adore. Enfin, je crois qu'il n'y a que moi qui l'aime, ce tissu. Mais avec un jean blanc, ça fait tout son effet. Voilà. Allez, je la passe. Pour vous la montrer, cette blouse bohème. Voilà, je vais prendre du recul pour vous montrer la blouse portée avec un jean blanc. C'est certainement comme ça que je la porterai, cette blouse, parce que je trouve que de la porter avec un jean bleu, ça fait trop ton sur ton, et du coup, ça ne fait pas ressortir la blouse en elle-même. Voilà. Donc, ouais, mais je suis pas mécontente hein, finalement de l'avoir sortie de son panier en cours, cette blouse d'il y a 3 ou 4 ans. J'ai remarqué même qu'elle avait un petit peu passé, le bleu a décoloré même. Tant pis, c'est pas grave. Je ne suis pas maniaque. Mais voilà, bon, c'est une blouse, effectivement, comme vous pouvez le voir, qui est assez imposante. Hein. Elle est volumineuse de par ses fronces, de par ses manches.
de par le volume de derrière, enfin du derrière avec la patte de boutonnage et la fronce, effectivement, des fois, ça ne me met pas trop. C'est le genre de cousette qui ne met pas trop en valeur, on va dire, la silhouette. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien porter ce genre de blouse d'été. Je trouve que c'est pas, on n'est pas engoncé, on n'est pas serré. Donc, le body est aéré, on va dire. Voilà. Ma petite blouse bohème du magazine Fait Main, je pense, d'il y a 4 ou 5 ans. Montrer maintenant les autres cousettes. J'en ai encore 5 à terminer. On va commencer par cette petite blouse Norma du magazine Fibre Mood. Je passe très très rapidement parce que je vous les montrerai, je vous expliquerai une fois qu'elles seront terminées. Je vous montre juste ce qu'il me reste à faire. Là, il manque patte de boutonnage. Non, les boutons à poser. J'en ai que 2 à poser. Le pire, c'est... Non, 3. Le pire, c'est que les boutons, c'est moi qui les ai faits, je les ai recouverts et ils sont faits depuis un an. Hein. Cette blouse, je l'ai cousue il y a un an, pratiquement. Confinement l'année dernière. N'importe quoi. Celle-ci, cette robe... C'est la robe Vanessa Pouzet, la hippie. Pareil, je l'ai commencé quand cette robe? En cours de couture, je prenais encore des cours de couture, donc il y a 3 ans à mon avis. C'était ma dernière année de cours de couture. Je suis vraiment boulée, donc il reste, elle est très très longue. Très très longue, cette robe je veux dire. Donc il me reste pour l'aile, je pense que je vais la ratiboiser. Il me reste à la fermer, toute couture sur les côtés et puis des grandes, je vais faire des grandes bretelles à nouer. Voilà. Pareil, une cousette que j'ai commencé confinement l'année dernière, un body. Hop, le body Agnès. Ourlet les manches, ourlet aux cuisses et la fermeture du body. Voilà ce qu'il me reste à faire. Et la petite dernière, c'est cette chemise que j'ai commencé en décembre 2020. Elle n'est pas si vieille celle-ci. Ma foi, c'est de la triple gaz. Bon là, c'est un peu de l'impro. Hein. Je suis partie d'une base, d'une chemise à un pattern. Qui est la Ayam Lucienne, très loose. Et je vais donc il me reste la patte, parce qu'il y a quand même un peu de boulot là-dessus. Il reste la patte de boutonnage, l'ourlet forcément, et ici, je crois que tout autour de col, je vais rajouter un froufrou, un col froufrou pour appeler le bas des manches. Donc voilà, voilà. Le taf qui m'attend pour les 15 prochains jours. Fin avril, il faut que ce soit terminé tout ça. Concernant mes achats tissus, j'en ai pas. Je vais juste chiner ce petit morceau de viscose orange avec des petits motifs violets parmes que je trouve assez mignonne, ma foi. Pourquoi pas? Mais de toute manière, je n'envisage rien du tout pour l'instant dans ce coupon. Vous voyez, là, j'ai un bon métrage, j'ai peut-être 2 mètres facilement. Je l'ai acheté 1,50€ le coupon. C'est vachement valable. Moi, j'aime beaucoup, enfin, quand je chine et que je tombe sur de la laine ou des coupons de tissu qui me plaisent, je prends forcément. Je suis aussi tombée sur un petit lot de patrons, pas cher du tout, 80 centimes. Ce sont des vieux patrons mode des travaux, enfin, vieux patrons, ils ont une dizaine d'années à peu près. Enfin, je les ai pris. Voilà, des petits modèles sympas. Pour le prix, ça aurait été dommage de ne pas en profiter. De toute façon, les patrons en général, quand j'en vois, patrons des années 80, je les prends. Je fais une petite collection de vieux patrons. Celle-ci, j'aime bien, je la trouve toute mignonne, là, cette petite robe en couleur carrée.
Là, ce manteau, c'est pas terrible comme ça, mais il y a matière. Après, voilà, faut parfois se projeter. Hein. Quand on voit un patron, des fois, ça ne nous inspire pas. Et puis, quand on se penche sur le modèle, parfois, on a des petits trucs qui nous vaillent, des idées. Et c'est parti, voilà, donc je finis là, j'arrête ce podcast qui va durer, je pense, une bonne heure, voire plus. Et je vous dis au prochain, donc dans un mois. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à mettre des petits likes et à vous abonner si le cœur vous en dit, bien entendu. En tout cas, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour. C'est quand même le but de ces podcasts, c'est de partager. Voilà, et je vous laisse là. Je vous souhaite de bons loisirs créatifs, que ce soit le tricot, la couture, la broderie, enfin bref, que sais-je. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et on se dit à dans un mois à peu près. Voilà, ciao.